On présente Mafia 2, chapitre 14. Nous sommes de retour pour finir cette mission pas possible qui m'embête un peu, je dois dire. Qui me bloque. Vous voyez, je ne vous cache rien du tout. J'ai pas fait de montage, donc je joue tel que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de coupure au montage. J'ai fait un petit détour par un forum de personnes qui bloquaient à certains chapitres de Mafia 2 et j'ai trouvé quelqu'un qui avait des astuces pour passer ce chapitre qui est très très dur. Donc il a deux astuces. C'est soit rentrer dans l'entrepôt avec une voiture, avec la voiture, et aller sous la passerelle. Donc forcément pour éviter les cocktails Molotov. Et se planquer derrière la voiture. Et puis une autre astuce avec la voiture, c'est-à-dire mettre la voiture en face des escaliers, se planquer derrière et attendre les gangsters et les tuer un par un. Ou dernière solution, et je pense que c'est la meilleure, c'est courir, grimper 4 à 4 les escaliers, et au lieu de courir à l'extrémité du couloir là pour atteindre les caisses en bois, on rentre dans le bureau de Derek et de là on peut par les fenêtres sniper sans craindre les cocktails Molotov, et je crois que c'est cette solution que je vais choisir. Bon allez, c'est parti. Allez, allez, montre-toi, Steve. C'est comme ça que tu t'appelles, Steve. Il va pas se montrer, hein, ce con. Thank you.
J'espère que la porte est ouverte, hein, du bureau de Derek, il l'a pas fermé à clé. Hein. Je suis plus à une surprise près. Hein. À la une, à la deux, à la trois. Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. Vous êtes devenus fous. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ça lui fera une plus grosse force de frappe. Allez, Vito, on est avec toi. Allez, encore un petit sprint. Je vais passer au travers des balles. Je vais slalomber. Oh là, ça me désole. Tu te manques ton papa, Vito ? Livre ta porte des dieux. Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. Vous êtes devenus fous. Faites surtout pas ça. Vito a pas besoin de vous. Ça lui fera une plus grosse force de frappe. Allez, Vito, on est avec toi. Tiens, il est mort. C'est la première fois que je le vois mourir. Mon coéquipier.
C'est pas évident, mais c'est pas évident du tout. Comment peut-on mettre un chapitre aussi difficile alors que tout le reste du jeu était assez simple, je veux pas dire facile, mais assez simple en mode difficile, et d'un seul coup, bam. Vraiment, la difficulté n'est pas dosée dans ce jeu. Je le redis, mais c'est énervant. Putain, c'est pas possible. Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. Vous êtes devenus fous. Faites surtout pas ça. Vito a pas besoin de vous. Ça lui fera une plus grosse force de frappe. Allez, Vito, on est avec toi. Je suis dégoûté, mais dégoûté à un point.